Salut YouTube, on se retrouve pour un tout nouvel épisode sur Bowser Fury. Un épisode sur le post-game, donc là où on va capturer les derniers astres félins qui nous restent. On est à 66 astres félins sur 100, il nous en a encore beaucoup à capturer, hein, 34 à peu près. Et je crois que Bowser va se réveiller. On va attendre un petit peu. Je crois qu'il y a un astre félin pas très loin. Faut juste que je me rappelle où est-ce qu'il est. Techniquement il y en a un ici. Il y en a un là-haut. Tiens, ça tombe bien si l'autre il spawn là. Attendez. On va faire ça comme ça, on va être tranquille. Je crois que c'est ici le bug de fureur. Normalement c'est toujours dans un petit coin comme ça, près de l'eau. Ou peut-être pas. Ok. Ah, c'est ici. Allez, est-ce qu'il va le détruire? Il détruit, c'est bon. Voilà, on le ramène chez lui. Bon, je sais pas si on aura les 100 astres félins cette soirée. Mais je pense qu'on peut facilement monter à 80. Vous pensez qu'on va choper combien d'astres félins, vous? Je laisse faire les paris. Ok, donc la zone est clear ici. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste les trucs ici que j'arrive pas à trouver. Il y a un petit truc là. Je vais essayer une dernière fois de regarder les astres félins qui sont ici, parce qu'il y a un fragment que je ne trouve pas. Et ça me rend fou. Ça fait vraiment depuis le début du jeu qu'on le cherche, qu'on le trouve pas. Et je suis sûr qu'il est caché à un endroit un peu con, genre ici entre deux arbres. Ah, ok, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Stop, Mario. Non, Mario. Voilà, pas bouger. Mais... Enfin! Oh, depuis tout le temps qu'on essaie de le trouver, lui. Ok, là j'ai. Ça va être un bon live. Il y a aussi sur l'île d'or où il y a pas mal d'astres. Oui, il y en a 6 ou 7 je crois, j'en ai récupéré déjà un. Mais il faut que Bowser s'énerve pour que je puisse aller les récupérer. Donc ça sera pour plus tard. Attendez, il y a un truc à faire actionner là-bas. On va voir ce que c'est. Ah mince. Allez, active-moi ça. Oh non! Ah, c'est pas mal ça. Pour me débloquer des bonus. Oh, j'espère qu'il y en a d'autres comme ça, parce que je manque un petit peu d'objets. Je me dis même qu'on pourrait aller à la zone du début du jeu pour choper un max de transfo-chats. Allez, on va choper 2-3 chats. Voilà, et 2-1. Il n'y en a pas un caché ici normalement. Non. Ah si. Paf! D'accord, ça a changé ici. Avant, on avait plein de trucs de transformation de chat et là, il n'y a plus rien. Je suis deg. Faut que j'aille là-bas du coup. Allez, où est Plessis? Ah, peut-être un changement d'avis. Je peux aller à Lille. Alors, elle est où l'île en or là? Ah.
Ok. Ça va, elle est juste à côté. Allez. Voilà. Et de deux. Je me demande si on débloque un truc spécial si on chope les 100 astres félins. Genre une fin alternative, un combat spécial ou autre. Ah ok, c'est le truc de Plessis. Par contre, faut qu'elle spawn, voilà. Le jeu actuellement, quand il y a Bowser, mais tellement. Ah, c'est infâme, hein. Et des moments, ça drop à vraiment à 10 FPS. Ah, bouge. Ça va, on est large. Ah, c'est bon, il est en dessous. On fonce. Et un en moins. Bah je sais pas trop. Ah bah on va le découvrir par nous-mêmes alors. Tu n'as pas fini le jeu? J'ai fini l'histoire. Mais je n'ai pas fini le jeu. Parce qu'il y a 100 astres félins à récupérer. Et que j'en ai que 70. Ah, je voulais pas me TP, mais bon, c'est pas grave. Hop. Ok, j'ai pas trop le droit à l'erreur ici. Non, non, bon voilà, c'est l'erreur. Non, peut-être pas. Oh non, l'autre qui vient déjà. C'est long. Non. Voilà. L'astre félin est là, mais faut que j'aille d'abord dans l'île de la fortune. Oh oh. Ah ouais, ça va être chaud pour y aller. J'ai pas intérêt à foirer mon coup. Allez. Et de 3. Par contre, je tombe. Par contre, maintenant, faut que je retourne au truc des tuyaux. Et pour y retourner, ça va être un petit peu chiant, donc je crois que je vais m'y TP. Et là, il y a toujours mon astre félin. Donc on va y aller. Hop. Voilà, et de 4. Donc plus qu'un astre félin pour cette tour. Là, faut que je quitte pour revenir. Le lapichou là-bas, je crois que je l'ai déjà fait. Donc là, on va s'en aller. Hop. Et si je me retourne, ça a changé. Et c'est une clé. Tiens, je vais mettre le boomerang parce que je peux faire le boomerang perso. Oh, encore mieux. Hop.
Je vais pas me taper tous les frères marteaux. Ah, j'atteins pas encore le sommet. Hop. Ah, la clé. Aïe. La clé est juste à côté. Donc j'aurais peut-être dû m'en débarrasser avant de faire tout le chemin. Quoique si je fais un saut... Ouais non, c'est sans mauvais. Bon bah on va essayer. Mais ça pue un peu du cul. Ça fait chier YouTube ce matin si je reçois pas une notif de Guillaume Kim. Regarde sur Discord de notre côté privé. J'irai voir ça après le live, Poussin. Essaye de prendre la clochette de chat spéciale qui donne des pièces puisque tu vas sur le tremplin et tu sautes. Ouais, c'est vrai, mais je sais pas où est-ce que je peux la trouver, la clochette spéciale. C'était trop bizarre qu'on voyait l'ombre de l'astrophélin sur l'autre à la sol. Ah, bah j'ai pas rêvé. J'allais le dire, mais je me suis dit non, c'est j'ai dû halluciner. Lance-la. Si je la lance, elle tombe dans l'eau et elle disparaît. Donc faut que j'aie un équilibriste. Hop. Pourquoi c'est des trucs droits comme ça va, mais là... Oh. Hop. Ouf, je fais tomber. Et maintenant, par là. Hop. Ouh là, ouh là, ouh là. Avec cette confiance, c'était mauvais. On va attendre un petit peu. Et ça, je tombe dans l'eau juste au dernier moment. Non, c'est bon. Ah bah ça va. Bon bah la zone est clear. Et une nouvelle zone de fête. Mais en vrai, on va limite finir dans cette soirée. Hein. Moi aussi, j'ai marqué l'ombre de l'ast. Ah bah ça va, ça me rassure. Parce qu'au début, je croyais vraiment que j'avais halluciné. Je me suis dit, non, c'est moi qui ai dû rêver. Mais non, ça va, on l'a tous vu. Ça, je l'ai pas fait. Je me rappelle, je l'ai pas fait. Parce que ça me saoulait d'aller à l'autre bout de la map. Alors que Bowser était ici. Bon allez, c'est faisable. Oula, trop tôt. Non, c'est bon, ça passe. Hop. Oula, ne tombe pas. Je suis tombé. On recommencera après. Parce que je suis une bonne lancée. Je ne sais pas où je vais. Mais je crois que par là, j'ai des trucs à faire. Allez, 100% il y a des trucs à faire ici. Oh, il y a un truc bizarre aussi là-bas. Oh non, l'autre il vient m'embêter. On va... Ok, ça commence mal. Ouais, ça commence très mal. Ouais, bah c'est mort. Elle est où l'île? Ok. Ah, sors de là. Voilà. Changement de plan. C'est bon, ça me touche pas. Ah! Hop. Attention, pique. Attention à ne pas tomber. Voilà. Allez, plus qu'un astrophélin, on aura fini avec cette histoire d'île.
Ah, et je tombe de très haut. Et c'est là que si j'avais eu le chat avec la clochette spéciale, on serait fait tellement d'argent. Donc on va réessayer une ou deux fois. On va faire des tout petits coups. Aïe. Ok. Je commence à comprendre. On va tester un peu en... en longeant le truc. Mais ouais, ça va. Ok, je pense avoir compris le délire. Passer 1h20 de live à faire celui-là. Oh non. On va essayer 5-10 minutes. Et après, on va s'arrêter si c'est vraiment la galère. Mais en vrai, je commence à voir le petit mouvement. Merde. Hop. Ok. Ah, raté. En fait, il fait des tout petits coups. C'est un peu tendu, c'est très sensible. Hop. Hop. Ah bah oui, mais... Dès qu'on se prend en fait, je pense qu'il faut que j'esquive les turbos. Parce que ça me fait perdre ma trajectoire et du coup je stresse et je fais nimp. On croit en toi. Ah, vous inquiétez pas, on va réussir. Hein. En vrai, on commence déjà à voir le move. Ah, presque. Raté. Oh bof. Oh, vraiment, ça c'est le gros ratage. Hein. Oh. Ok, encore un niveau. Ah, catastrophe. Ok, on va le faire au pied. Presque. Ah bah voilà, c'est pas beau. Hop. Et ben voilà. Bah c'était pas si dur quand on commence à s'habituer. Et là on a fait le niveau le plus chiant du jeu. J'espère. Oh, et l'autre zigoto qui arrive. Bon, on va réfléchir. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, il y a le petit chat là qui est perdu. Mais je peux pas le faire, sinon bon, il va se transformer et devenir méchant. Attendez. On va faire ce niveau là. Et du coup, faut faire vite. Non. Allez. Hop. Ah, c'est un peu chaud quand même de le faire comme ça. Tant que Bowser fait son caca nerveux. En vrai, est-ce que je peux pas faire? Ouais, je pense pas. Quoique. Non, j'ai déconné. En vrai, j'aurais pu. Mais je me suis pressé, fallait pas que je me presse. Le plus chiant, c'est pas le patin à glace. Ah bon, c'est quoi? C'est de grimper ce truc avec des lags et Bowser qui te crache dessus? Oh oh. Est-ce qu'il y a un hélicoptère qui traîne là? Ouais. Et là. On peut l'atteindre l'île. Oh oui, je pense que oui. Allez.
Voilà. Ah, merci pour vos GG du patin alors. Voyons, en vrai, ça a duré pas si longtemps. En 5-10 minutes, on l'a fait. Hop là. Voilà, ça dégage. Est-ce qu'on tente le truc timé avec. Avec ça? Je pense que oui, on peut tenter. Mais ça aurait été plus simple si j'avais un tanuki en plus du. De l'hélicoptère. Allez hop. Allez. Ah, oh, je l'ai raté de peu. Bon, on va retenter une dernière fois. J'espère que Bowser va pas trop me faire chier pour arriver ici. Hop. Hop. Ah, je vois pas que ce soit un crachat. Allez. C'est bon. On peut respirer 2 secondes. Ah oui, si, il y avait le truc des étoiles. Faut que je trouve les astrophiles, les petites pièces là. Par contre, on peut pas aller. On va sortir un petit peu pour essayer de reload la zone. Parce que si il y avait moyen qu'ils pourraient me remettre un accès vers le haut, ça serait bien. Hop. Oh, attends, lui, faut que je le capture. Elle est où sa mère? Ah, je sais pas. Par contre, l'autre, il est embêtant là. Il veut pas s'en aller loin. Bon, attendez, on va dégager parce que l'autre, il va me saouler un petit peu. Il y a un truc là-bas pour gagner des astrophélins. C'est plus par là. Alors déjà hop, on prend la clochette. Et par là. Le lapichou. Aïe. Ah, il est fou celui-là, il passe entre les blocs là pour me faire avoir. On va essayer de couper un petit peu le chemin. Ah, je vois plus, il est là. Ah oui, c'est vrai, je peux plonger pour esquiver le laser. Allez. Ah non. En vrai là je pourrais le couper. Genre faire ça. Et là je pense que je vais l'avoir. Voilà. Et hop, l'autre s'en va. Ah, il est un petit peu lourd, hein.
Il te reste des blocs Bowser? Sûrement. Faut que je regarde dans les zones. Bah je crois que je l'ai fait partout. Ah non, peut-être pas ici. Pas au Colisée Calico. Et pas au Donjon Ronron. Mais sinon je l'ai fait. Quasiment partout. Là on va essayer de retourner par là, ça m'intéresserait bien. Donjon Ronron, on l'a pas fait depuis longtemps en plus. Ah, c'est un... un Luigi relou. Voilà, et 2-1. Allez, on va le voir. Ok, il s'est fait taper par Bowser. Bowser qui nous carry quand c'est des trucs avec Luigi comme ça. Et voilà, il est mort. Du coup, on peut essayer de remonter par là. Ne pas prendre de dégâts. Et faut que je me prenne une petite transfo. Et là, on peut essayer de choper les pièces d'astrophélin. Allez, hop. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à tourner autour pour trouver les pièces. Parce qu'on n'a que 2 sur 5. Normalement, dans cet étage-là, on devrait toutes les avoir. C'est plus à l'étage du dessus qu'on devait en manquer une ou deux. Genre ici, on va ouvrir l'œil, on va regarder un peu au-dessus, en dessous. On va regarder les ombres. Ok, ici il y en a une. C'était sûrement la troisième. Donc la deuxième, elle est peut-être ici. Oui. Oula, oula, oula. Hop, ne tombe pas dans le vide. En fait, faut vraiment que je m'amuse à sauter au-dessus du vide et à me rattraper de peu avec l'hélicoptère pour avoir toutes les pièces. Ah, peut-être ici, on devrait en avoir une, non? Non, je pense pas. Ok, il y a une pièce, c'est là. Et donc, il y en a une qui doit être juste ici. Non? Bizarre. Ça va bien. Faudrait qu'il me pose ces petits blocs là pour m'aider à grimper. Oh oh. Ok. Ah mais j'étais un chat, je crois que j'étais encore un tanuki. Allez, tombe. Je récupère le tanuki, si je veux bien. Non. Non. Oh oh. J'arrive pas à voir la dernière pièce. Quelqu'un saurait où est-ce qu'elle est ? Précisément, parce que si vous me dites elle est sur la tour, ben ça va pas beaucoup m'aider. En haut à gauche, il y avait un truc qui brillait. Alors en haut à gauche, tu peux être un petit peu plus précis s'il te plaît. Ah, oh. Ok, j'ai trouvé. Ah bah ben, on a pu la chercher pendant 20 ans. Hein. Allez, plus qu'un niveau à faire ici. Et on aura clair la zone.
En vrai, on a 80 astres félins, il y a peut-être moyen qu'on finisse aujourd'hui. Ça va être chaud, mais ça peut être possible. Alors déjà, hop, on va rafraîchir la zone derrière nous. Ah, ok. Ombre de fureur. Ouais, c'est d'être le bloc de fureur que j'ai pas fait du coup. Le bloc de colère là. Par contre, lui. Je sais que sa maman est quelque part. Je me demande si elle est pas à l'autre bout du. De l'iceberg. Genre là-bas. Alors attention à pas tomber en l'eau, sinon il va despawn. Chrono, gars, à la chute. Hein? C'est pas ici? Si, c'était ici, j'en suis sûr. Il y avait pas une maman chat qui traînait ici? Eh. Oh oui! Ça me plaît. Je suis sûr qu'il y avait une maman chat quelque part ici. Peut-être là. Oh merde. À chaque fois je me trompe dans les boutons. Bon, c'est pas grave. Mais... ouais, bon, on verra plus tard. En même temps, comme ça, la zone là-bas, elle peut se charger, faire autre chose. Pour débloquer la cinquième étoile. Ah, bah elle était là. Bon, bah on est reparti. C'était là. Où est le chaton? Il est là. Hop, tu viens ici. Tu vas partir avec moi en voyage. Je me rappelle d'où l'iceberg sort. Il sort d'ici, je crois. Voilà. Bon, sinon ça va vous? Vous racontez quoi de beau? Prends Plessis. Je ne peux pas prendre Plessis si je tiens un truc dans les mains. Ça serait trop simple sinon. Oh non! Pourquoi il se remet toujours au pire moment, lui? Si tu vas sur le chat, avec le chat, avec Plessis, ah bon? Je pensais que ça aurait été trop simple, donc ça aurait pas marché. Attendez, je peux peut-être le rapporter comme ça. Wow. Oh non mec, tous les lags c'est infâme. Oh, je peux peut-être tenter un move. Allez. Voilà. Bon. Il va nous laisser tranquille maintenant, Bowser. On va pouvoir enfin donner son chat à sa maman. Parce que je vous avoue que faire 3 allers-retours, c'est un petit peu relou. Bon, en tout cas, on a clair la zone. Faut que je tombe. Voilà. Et là, on se dépose au jonron. Lance-le au niveau du machin à une tête de... Tu... Tony, quand tu me donnes des conseils, sois un peu plus clair, s'il te plaît, parce que... Lance le truc au niveau du machin, c'est un peu compliqué à comprendre. Bon, on va essayer de prendre le chat, du coup. Et hop. Ah oui, il va derrière nous. Bah c'est craqué, hein, parce que du coup j'ai juste allé devant le chat et c'est fini. Regardez. Et voilà.
Bah là, en l'occurrence, je me dis, ça aurait été plus dur de le faire en se baladant sur l'iceberg, en allant l'autre bout, ça aurait été plus stylé. Mais bon. Ça fait un astrophélin gratuit. Ah, mais il faut 3 chats! Ah! Ah, tout de suite, c'est beaucoup plus dur. Et du coup, faut que je trouve d'autres chats. Mais ils doivent être à l'autre bout de du monde, là, ça va être trop relou. On va peut-être faire ça à la place. Duel final face au boum boum chat. Mais en vrai, cette zone ne sert que à faire des boum boum chats. Allez, boum! Ok, ça donne rien ça. Faut que je trouve l'accès. Normalement, il est derrière. Mais bon, si on voit un chat tout seul, on sait où aller maintenant. Ah, lâche Mario. Ah oui, il y a aussi les... Une pièce que j'ai pas pu récupérer ici, parce que je sais pas où se caler. C'est vrai. Ah bah, on ouvre l'œil. Ah. Ah ok, je vois. Hop, on descend. Hop. Hop. Non. Ok, on va attendre que ça respawn. Hop, hop, hop. C'est bon. Le dernier pièce à trouver félin, où est-ce qu'elle pourrait être? En vrai, je la vois pas ici. Ok, elle est juste là-bas. On va y aller vite fait parce que comme ça je vais pas oublier. Parce que je me connais, je serais capable d'oublier. Ah. Ah non, c'est un trophée-là à part entière, c'est même pas un... Une pièce. Mince. Mais l'autre, il est infâme, a toujours spawn là, je vais vraiment... Quand on aura fini le jeu, je pense que je vais me transformer en chat géant et je vais lui péter la figure parce qu'il m'a saoulé un petit peu. Il spawn tout le temps, c'est un stalker le mec. Surtout qu'il est vraiment apparu au moment où je me casse alors qu'il y avait un bug de fureur. Alors désolé les gens de faire aller au droit H24, hein, mais j'avais pas prévu que Bowser allait nous embêter. Allez, faut qu'il vienne ici. Allez, viens. Tiens, je regarde si on peut pas la trouver, la pièce, ici. Mais non, j'ai l'impression qu'on la voit pas.